Salut Rayleigh, je te laisse siffloter un petit peu le temps que j'arrive, tu vas voir la musique, elle, petit à petit elle s'immisce dans ta tête. Yo les amis, yo et bienvenue sur la pause déj du Kabuki. On est sur Suika Game aujourd'hui, un Kabuki Indie donc. Le jeu est à l'essai depuis une semaine. Donc si tu vas sur l'eShop, tu le télécharges. Je crois que tu télécharges tout seul dans ta console d'ailleurs. Et tu peux y jouer, même le finir si tu veux. Bon, c'est pas un jeu qu'on peut finir, mais c'est le concept des jeux à l'essai. Ils sont là une semaine en général, c'est gratuit et t'as le jeu complet. Voilà. Donc bah, ça tombe bien puisque j'avais fait une vidéo de Suika Game pour vous montrer ce jeu fou hein, qui coûte même pas 3 euros et qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires jusqu'à récemment. Et bah, du coup, vous pourrez y jouer chez vous si vous voulez. Attention, c'est très très addictif comme genre de jeu. Addictif, voilà. Bah, on lance une partie, c'est très simple. Hein. Vous avez une roue d'évolution à droite qui dit que deux cerises font une fraise, deux fraises font un raisin, etc. etc. Et le but c'est de, bah, d'empiler des fruits, de ne pas les mettre tout en haut, de ne pas empiler jusqu'en haut, de tenir le maximum de temps possible. Alors là on a le daily ranking, overall, overall ça doit être mon score, hein. J'ai pas fait plus que 1937 à date, donc si vous voulez vous amuser, essayer de me battre aujourd'hui. Eh ben, le jeu est dispo, comme je disais, en gratos, et puis après, c'est 3 balles. Je vais vous montrer, hein, j'appuie sur A. Voilà. Et il y a une histoire de physique. Il y a une petite physique dans le jeu. Par exemple, là, si je mets l'orange, on imagine que c'est une orange. Bon. Sur la cerise, eh ben, elle va rouler, regardez. Hop là. Donc, il y a cette histoire-là aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà, là j'ai empilé deux oranges, j'ai gagné une tomate pour les raisins, hop. On dirait une nèfle, mais je suis pas sûr. Hein. Voilà, il y a sûrement des strates que je n'ai pas encore étudiées, ou que je n'étudierai peut-être jamais. J'ai trouvé mes propres strates. Ouh là 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 là, on arrive à du gros fruit là. Voilà, et on fait des points comme ça, on empile.
et on essaie de tenir un maximum. Si on regarde les rankings de la journée, donc on a du 13 000 et au mois du 18 000 quand même, hein. C'est le overall ranking, donc voilà, pour battre le record ultime, c'est 18 000 points. Je sais pas si on va y arriver, je sais même pas si on a le temps en une heure. Pour l'instant, on est à 114 points, les amis. Vous allez voir, parfois, la petite cerise bien placée, ça fait la différence. Alors, je crois que le son du jeu est un peu trop fort. Je le baisse un peu. Voilà. Et puis, on doit être bon, maintenant. Comment il va, le père Eli? Il est en lurk. Il travaille, c'est dur, il est malade. On pense à lui, tout ça. Ah, là, ça pourrait le faire. Ah, ça a touché, c'est bon. Et on va au rythme qu'on veut, il n'y a pas de timer. C'est aussi ça qui est zen dans ce jeu. Hop, on va la mettre là, la cerise. C'est le genre de jeu où on se dit allez, encore une dernière, et puis on y est encore demain, quoi. Alors la cerise, hop, on empile. Voilà, très bien. Du coup, hop, la strat du sandwich, si vous connaissez pas, voilà. Et une petite cerise là. Ouais, je pense que là, ça payera tôt ou tard. Voilà. Ah, on commence à avoir des gros fruits là. Regardez ça, c'est pas magique. Voilà, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, il faudra voir la VOD, faire un petit ralenti. Allez, 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 roule ma poule, on va l'aider un peu, voilà. Coucou Data Reaper, comment ça va? Le stream est fini. Regarde ce jeu à 3 balles qui est gratuit actuellement, hein, sur Switch. C'est un jeu à l'essai, comme ils appellent ça. Donc le jeu est complet et tu peux. T'as une semaine pour le finir. Bon, ce jeu ne se finit pas, mais bon. Et plus de 4 millions d'exemplaires vendus quand même. Hein. Vraiment, vraiment très, 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 très viral au Japon, apparemment. Coucou Scam, ouais, c'est ici la salade de fruits. C'est la pause déj, voilà, vous pouvez manger tranquillement. Et puis après, la salade est offerte. Comment vous allez? Ouh là là, on a des ananas, ça y est, on est pas loin de la pastèque, pas loin du melon, les amis. Et c'est encore là que tout peut arriver, tout peut basculer. Hein. Donc mon score 965, le score mondial 18 000, pardon.
Ouais, moi aussi éclaté, hein. Vivement, vivement les congés. On tient bon jusqu'à jusqu'à demain soir. Mon score à moi, c'était 1937, mon meilleur score. Le but du jeu, c'est de ne pas arriver tout en haut. Et en fait, Scamblast à droite, tu as une roue d'évolution. Il dit 2 cerises égale une fraise, tu vois. 2 fraises égale un raisin, etc., etc. Jusqu'à la pastèque. Et donc, en fusionnant des fruits, comme ça, tu fais des points. Et il y a une histoire de physique aussi, tu vois. Si je fais tomber mon raisin ici, hop, il va rouler sur la gauche. Et potentiellement, ça va pousser le reste qui va rouler aussi, etc. Le but du jeu, c'est de tenir le maximum de temps possible et de faire un maximum de points, tout simplement. Il y a des classements à la semaine, au mois et à l'infini, c'est-à-dire depuis que le jeu est sorti. Donc comme je disais, il est gratuit actuellement sur Switch, mais que jusqu'à aujourd'hui. Et après, il est à 2,99€, donc c'est... Moi, je l'avais acheté à l'époque. Je sais que c'est le genre de jeu que sur lequel je peux me poser tranquille pendant des heures. Ou juste un petit quart d'heure. Ou le temps de faire une run, quoi. C'est les jeux petits kiffs, quoi. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Scam. Allez, ça va s'empiler. Hop. Ah, il pourrait nous faire une petite tomate tous les deux, là. Ça va être dur à pousser. On va le faire comme ça. Voilà, voilà, voilà. Allez, la fraise. Ok, 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 ok. Là, ça va être qui tout double, hein. Qui tout double, qui tout double. Ok. Hop. Allez, 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 allez. Ça pousse. Non, ça poussera pas plus. Hein. On va faire comme ça. Voilà. On passe par là. Ouais, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Attention, ça touche bientôt. Faut pas que ça déborde, en fait. Ouais, on laisse un peu vivre le truc. Voilà. Voilà, très bien. Allez, hop. Toi, tu vas par là. Voilà. Il y a de la maîtrise, il y a de la maîtrise. Il y a aussi du pif. Mon raisin... Ah, je prends un petit risque, quand même. Ok. C'est un peu tendu ce que j'ai fait là quand même. Non, là la tomate, je pense qu'elle était un peu de trop. On peut essayer de refaire une autre tomate, mais je sais pas si on aura. Ouais, on peut avoir notre chance, attendez. Voilà, allez l'ananas. Ah, il y a toutes les petites merdes qui gênent au milieu là. Ouais, vas-y, 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 vas-y. On va y arriver. On va y arriver. Ah, je sais pas, ouais, je pense que je vais la mettre là, la cerise. Ouais, ça se passe bien là. J'ai pas encore battu mon record, hein. Vous voyez, je suis à 1576 versus 1937. Je testerai bien ce petit jeu après mes journées sur Honkai. Ouais, ouais. Je pense que... En plus, là, j'y vais mollo, hein, vous voyez, mais... En fait, t'es pas pressé par le temps. Soit tu vas à fond, tu joues comme un ouf, façon Tetris quand tu joues depuis 30 ans. Soit tu prends les trucs cool, tu vois, y a vraiment pas de timing. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Ah non, là, ça va être... Là, ça sent la fin, les amis. Je veux pas être pessimiste, mais... Ouais, voilà. Donc 1591 en 15 minutes. Je retente ma chance, bien sûr. Donc ça, c'est mon score de la journée. Allez, restart, c'est parti.
Donc moi j'avais fait une petite technique, une petite strat personnelle qui était de les classer au début par ordre de grandeur. Je sais pas, c'est une technique comme une autre. Hein. Et après ça roulait plutôt pas mal comme ça. J'ai raté le début, j'étais occupé à finir le titre de Zoui. Même pas une pastèque. Pourquoi t'as déjà fait une pastèque à ce jeu toi? Mais c'est vrai, j'ai même pas fait une pastèque. Est-ce que j'ai déjà fait une pastèque dans ce jeu une fois dans ma vie? Je sais pas. Hein. Peut-être qu'on va vivre cet événement ensemble, hein, les amis. Comment il va le père Gunther? Allez, on va jouer à la pétanque. Hop là, voilà. Allez, j'essaie de me la péter pro de l'e-sport là, regardez, hop, j'accélère un peu. Ma nièce n'a pas arrêté la dernière fois que je l'ai vue. Ah, de jouer à ce jeu? Ou n'a pas arrêté de faire des pastèques? Au top, au type, au top, au tip top. Ah, voilà, un bon week-end qui s'annonce. Je parie qu'il fait beau par chez toi, Gunther. Ah, la belle tomate. La cerise, on va la mettre là. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Hop. Ah, pastèque, ah ouais, donc là, oui. Ok, donc ta nièce, elle me marave à ce jeu, quoi. En même temps, si j'ai fait 10 parties, c'est le grand max. Mais c'est pas dit que je fasse une pastèque un jour. Hein. Gris en vent, today. Gris en vent, c'est quoi cette expression? C'est le Mistral, quoi. Ah, il fait gris, il y a du vent. Ok, ok, pardon. Un petit peu dur pour moi à cette heure-ci. Ah voilà, voilà, voilà. On n'est pas loin de la pastèque, je vous le dis. Gris et vent, d'accord. Alors, la carotte rousse, il s'achète où le jeu, s'il vous plaît? Hello la carotte, bienvenue. Il s'achète sur l'eShop. Là, on est sur Nintendo Switch. Je sais pas s'il s'achète ailleurs. Et en plus, il est gratuit pendant une semaine, mais que jusqu'à aujourd'hui, je crois. Mais sur Nintendo Switch, tu peux le choper gratos. Et il vaut 3, même pas 3 balles. Et attention, il rend addict. Si je peux te donner un conseil, fais gaffe, c'est la maladie. Ah, il y a la fraise. Ah, dommage. On va jouer stratégique. Hop. Ouais, ça roule. Voilà. On va jouer à la pétanque. Ah, il veut pas. Hein. Voilà. Ça va être compliqué de le faire rouler, celui-là. Oh, on l'a éjecté. Hop, technique de la cerise. Ah bah voilà, il est content Gunther, il a sa pastèque. Tu comprends maintenant la cerise, pourquoi je l'avais mis là? Moi aussi je peux faire... On n'est même pas à la pastèque, on est au melon. Pardon. Mais ça arrive, ça arrive. Thank you.
pas une pastèque, c'est un melon, nous dirait il. Eh oui, mais avec le lag, je l'avais dit avant toi. Voilà, on se détend un peu. Hop, la fraise. Ouais, on va faire comme ça. Alors là, je sais pas si c'était le bon move, comme on dit. Être sympa quand ta femme te file une liste de courses. Ah oui, ah, ça va, melon de pastèque. J'ai pas dit que c'était pareil. J'ai pas dit ça. Mais ouais, 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 c'est un peu ça quand même, j'avoue. Ce que je voulais dire, c'est que la pastèque était proche, quoi. Le deux melons et t'as une pastèque dans le jeu. C'est ça que je veux dire. Allez, allez, on se détend. Ouais, par là. Allez, 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 allez. Bon, la cerise, ça serait une erreur de la mettre à droite. Clairement. Oh, ça va, tu t'as pas dit ça? Tu vas vraiment me faire faire un clip? Ah, c'est trop tard pour le clip. C'est trop tard. De toute façon, c'est pas une chaîne à clip ici. Personne clip quasiment. Des fois, je tombe sur des clips, c'est moi qui les ai faits, je sais même pas comment. Donc du coup, bah voilà. À cause de ça, je peux pas briller dans les shorts, sur TikTok, tout ça, c'est mort. Hein. C'est pas grave, je me suis fait une raison, je me suis fait à l'idée, quoi. Ah, la fraise, là, faut qu'elle descende, voilà, tranquillement. Coup double, attention. Voilà. Coup double, on est pas loin de la nana, là. Comment on va gérer ce truc là? Ok. Ah, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça a l'air mal barré, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, dommage, dommage. Il avait sa chance. On est comme on est, faut pas forcer non plus. Si c'est cringe. Ah oui, tout à fait. Ici, c'est pas putaclip. Ok. Je connaissais putaclic, mais pas putaclip. Là, 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 je fais une tomate, ça me sert à rien, mais j'ai pas le choix de toute façon. Ah non, ça va être la cata là. Voilà. 1516. On régresse, allez, on repart sur de bonnes bases, cette fois c'est la bonne. Objectif, au moins arriver à 2000, quoi, histoire d'éclater le 1937. Bah du coup, la carotte rousse, si t'es toujours là, tu nous diras si t'as réussi à te procurer le jeu. Ça nous intéresse. Hop là, la cerise, double fraise, tac, raisin. Ouais.
Donc ça, c'est quoi? C'est une nèfle? Toi, t'es du sud, Gunther. Tu connais les fruits? Tu connais les fruits du soleil? Ça, tu penses que c'est une nèfle? Après, c'est une orange? Ou alors, c'est une mandarine, peut-être? Peut-être une mandarine. Tiens, j'y avais pas pensé. Est-ce que vous avez réussi à identifier tous les fruits du Suica Game ou pas? Parce qu'on a cerise, fraise, raisin. Après, je dirais orange ou... Orange, ouais. Tomate. Après, je sais pas trop. Le rose, c'est la pêche. Ananas, melon, pastèque. Ouais, nickel, nickel, nickel. Hein. Tomate, oui, tomate, le rouge, c'est tomate. Tu t'aurais dit pomme, toi? On va encore se taper le vieux débat. La tomate n'est pas un légume. Mais c'est vrai que c'est pas une tomate, ça. Pourquoi je dis tomate, moi? C'est une pomme. Et depuis le début que je joue à ce jeu, pour moi, c'est tomate. Hein. Le jaune, c'est une poire. Ah ouais. Ok. C'est vrai que les tomates n'ont pas de queue. C'est vrai, non mais c'est, je suis d'accord, c'est une pomme. Donc là, ce que je vais balancer, c'est quoi? Une orange ou une mandarine? Donnez votre avis, hein, c'est important. Et après, on ne sait plus de quoi on parle. Hein. Ouais. Ok, donc on a une pomme. Si le jaune est une poire, c'est une hérésie. Ben, en même temps, il a ce petit truc, tu sais, le... Tu sais, quand tu vieillis et que t'as la peau mouchetée comme ça, que tu ressembles à une vieille poire. Bah, ben, je trouve qu'il a ça. Tu regardes autour des yeux et au menton. Lol, Amaï. Ah, voilà. Amaï va nous dire qu'est-ce que c'est, ces fruits. C'est un gars du sud, lui aussi. Une pub de Hasashi. Ah. Le jaune, c'est un coin. Ouh là là là. Tu vois, les coins, je crois que j'en ai bouffé que confit. Si je dis pas de conneries. Je me rappelle pas avoir bouffé un coin. Le jaune, la poire, ça tenait la route quand même. Hein. Ah voilà, c'est une poire japonaise. Allez, salut, bisous. Elles sont rondes, les poires japonaises, ou elles sont jaunes? Ah, maille. Ah, ça y est, c'est comme le yuzu, tu vois, le citron japonais. En bon weeb que nous sommes, kiffons le yuzu. Ah ben maintenant, je vais kiffer. Ça s'appelle comment la poire japonaise, Amaï? Vas-y, agrandis ma culture weeb. Elles ont pas la même forme que les nôtres. Ah ouais. Rayleigh dit ronde. Alors, Rayleigh ne s'exprime plus que par un mot maintenant. Ah, merci à mon collègue chinois. Ah ouais. Nashi. Ok. Prochaine fois que je prends un granita à la Japan Expo, je la prendrai au Nashi. Je le prendrai au Nashi. Ça changera de yuzu. Allez, ça roule, ça roule, ça roule. On va pousser par... ouais, la pomme. Alors, on va refaire... on va voir si vous avez suivi, hein. Alors le seul coin que j'ai bouffé, je rentrais des Alpes, je voyais des poires aux pommes sur le bord de la route. Je me suis dit, je vais en voler une. Thug life. C'était un coin ultra dur. Ah bah tu sais, bien Malaki ne profite jamais, Gunther. Hein. Tu t'es pas cassé une dent quand même. Et c'était vraiment entre pommes et poires et fripé. Un peu comme tu disais, ouais. Poire, poire, ce combo. Qu'est-ce que je disais? Oui, on va reprendre dans l'ordre. Donc cerise, on est tous en phase. Fraise, raisin, pas de souci. Après, on a dit quoi? Le orange, là, c'est quoi? Une mandarine? Ce truc-là que je m'apprête à balancer. Ah, il y a une variété de poires que les Français appellent la France. Que les Japonais appellent la France. Tellement de skills. Ah, mais il faut revoir mes parties au ralenti pour comprendre. Hein.
Il faut revenir 7, 8, 9 coups en arrière. Regarde, la nana qui tombe comme ça de nulle part. Tu vas voir pourquoi c'était important. C'était pour mettre ce truc là qu'on sait pas ce que c'est. On va l'appeler la nefle pour l'instant ou le coin. Ah non, le coin c'était la poire, non pardon. Ok. Et là tout le monde se dit mais pourquoi il l'a pas mis à droite? Vous allez voir pourquoi. C'est tellement logique quand tu sais. Vous voyez? Allez, on quiche. La cerise, c'est ici qu'il faut la mettre. Bon, j'attends là, un terreau surprise à la fin. C'est quoi ce fruit là? Après, on va dire que c'est une orange là, ce que je m'apprête à balancer. Après, on a pomme, poire, pêche, ananas, melon, pastèque. Donc, il nous manque le chaînon manquant, là, en fait. Hein. Ce truc-là, là. Moi, je pense pour la mandarine ou la clémentine. Hein, mais bon. C'est la variété importée par un certain Claude Blanchet. Et les Japs l'appellent la France. Là, il y a un gars qui s'est mis bien. Il s'appelle Claude Blanchet. Il a fait fortune avec des poires au Japon, les gars. Ah, un kaki! Ah ouais! Ah, celle-là, je m'y attendais pas. Mais effectivement, maintenant que je vois, maintenant que vous me dites kaki, avec la forme et tout, c'est ça. Pardon, il lit pas, pardon. Ouais, le haut ne laisse pas de doute, je suis d'accord. Ça fait penser un peu à la coupe en brosse qu'on avait dans les années 80-90, là. Le kaki, c'est un précurseur de la coupe en brosse. Kaki, et donc on statue pour orange ou mandarine alors? Ou clémentine pour... On va dire que c'est une orange, hein, c'est plutôt classique comme fruit. Allez, la strat va se mettre en place, là, attention. Ah voilà, la fraise, la cerise, voilà, tac. Attention, c'est pas fini, voilà. Pour la cerise, j'ai un doute. Je vais la mettre là. Le kaki, voilà. Trop petit pour une orange, ouais, j'avoue. Mais après, même la pêche, hein, tu peux te dire, non, c'est parce qu'ils ont fait, il leur fallait un ordre de grandeur. Parce que la pêche, presque aussi grosse qu'un ananas, ça tient pas la route, ta théorie. Allez, la pomme, hop. C'est tendu, là, c'est tendu. Je sais pas si je quiche par là. En fait, la cerise dans ce jeu, c'est un peu la stratégie d'un pion de Hayam. Si vous voyez ce que je veux dire. Oula, 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 oula. Allez, faut que ça fusionne, voilà. Allez, on continue. Vas-y, continue. Ça m'emmerde. Et là, je vais créer une séparation là et on va jamais s'en remettre. Ouais, c'est mort. Vous l'avez dit, hein, je vous l'avais dit. Je me suicide, tant pis. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que plus le jeu avance et plus mon score est faible. Si vous avez une strat, hein, vous n'hésitez pas, je suis preneur.
D'ailleurs, c'est quoi votre fruit préféré dans tout ça? Moi, j'avoue que j'ai un faible. Alors, ça dépend si c'est en boisson ou à manger, en fait. Par exemple, j'adore boire un bon jus de pomme bien frais, mais après, c'est pas l'ultra kiff de manger une pomme. Je préfère manger de l'ananas, par exemple. Par contre, un bon jus de pomme bien frais, ça déboîte. Moi, je veux un mood pour jouer avec des litchis. Un mode, ah oui. Bah, peut-être que dans le 2, il y aura des litchis. Hein. Parce que là, dites-vous bien que le jeu vaut 3 balles. T'en vends 4 millions. Je fais vite le calcul. Pomme, c'est nul. Non, pas tant que ça. Hein. Les pommes, d'ailleurs, je préfère les pommes farineuses rouges que la pomme jaune. La pomme verte, ça, c'est un concept que je comprends pas, par contre. La pomme verte, ça, je comprends pas en fait. Jamais compris. La seule que j'aime. Ah ouais, t'aimes la pomme verte? Mais pourquoi t'aimes te faire du mal comme ça? C'est acide, c'est dur, c'est. Et la pire, c'est la farine. Bah tu vois, on se battra pas en cas de survival mode, tu vois. Je te laisse les pommes vertes, tu me laisses les pommes rouges, on est bien. Hein. Et c'est avec plaisir en plus. Ok, donc on a parlé des pommes. La pêche, ça c'est sans mauvais jeu de mots, c'est mon péché mignon. Par exemple, la compote de pêche, c'est une tuerie. La crème pâtissière à la pêche, c'est une tuerie. La pêche tout court, c'est une tuerie. Le thé glacé à la pêche, ça déboîte. En fait, je sais pas où la pêche n'a pas sa place. Hein. La pêche, trop de flemme d'enlever la peau. Bah, tu prends de la compote, de la confiture de pêche. Voilà. C'est pas grave, t'as pas la peau. Nectarine, extase, j'avoue. J'avoue, nectarine. Ah, ça nous ramène à l'été, tout ça. Alors que là, on est plus sur des fruits type mandarine, orange, vous voyez. Les fruits automne-hiver. Ah, je comptais sur le raisin là, bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. La cerise stratégique. Je parle de fruits, pas de cuisine. Bah oui, mais après, tu sais, les fruits dans la cuisine, c'est top aussi hein, pour le sucré salé. C'est une petite dinguerie aussi. Alors, un maïs écaille, j'ai vu la fibre, j'ai la fibre, mais je me demande ce que je peux proposer. Ah oui, donc là en fait, je traduis à maï, bah maï il stream, hein. Il streamait avant de partir au Japon. Apparemment, il était un petit peu en mode archaïque, il n'avait pas la fibre. Maintenant, il a la fibre, donc il va pouvoir streamer en direct du Japon. Et ce qu'il nous demande, c'est si on a des idées, des concepts, tout ça. J'imagine. Alors, il y avait un truc, je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Il y avait deux gars au Japon, là, deux Français qui faisaient une émission tous les dimanches sur Twitch. Bon, en fait, ils abordaient des thèmes, des trucs classiques qui se font au Japon. Je sais pas, pareil qu'on n'a pas forcément chez nous. Type, ils avaient fait toute une émission ou toute une partie de l'émission sur les chiottes japonais, tu vois. Et puis aussi, ils sortaient des faits divers. Pareil, qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à l'Occident. Donc, et puis ça faisait une bonne immersion au Japon en fait. Moi je pense que tu devrais profiter d'être sur place pour nous parler de trucs de la vie quotidienne, tout ça, tu vois. Moi c'est le genre de truc qui me ferait kiffer en tout cas. Avec un minimum de préparation et tout ça, tu vois. Skyrim en mode pacifique. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tout ce que t'as dit avec la pêche, j'ai eu trop envie. Ah ouais. Ah ça y est, tu vas aller pêcher une pêche, c'est ça? Allez, 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 la poire, là.
Voilà, il faut forcer un petit peu des fois, forcer les choses. Attention, ça va faire mal. Voilà, l'ananas, double ananas. La petite cerise qui fait la différence en fait. Hein. Ah non, elle s'est mise où il fallait pas elle. Hop, voilà, hop, c'est bon. La petite strat qui va bien. Ouais, ah je sais pas, ouais, est-ce que ça passe comme ça? Ouais, c'est bon pour la pomme. Oui, ouh, le Harmony qui nous fait un petit raid, un petit raid. Mais attends, Harmony à 13h. Ah ouais, là, t'as poussé le bouchon, là. Sacré live, hein? Le salam Harmony, merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Pour ton raid. Pour le soutien, tout ça. On est sur Suika Game qui est gratuit jusqu'à aujourd'hui sur Switch. Et qui a 3 balles sinon et qui est une maladie incontestable. Et on a enfin pu identifier tous les fruits. Avec un peu d'aide de culture japonaise et chinoise, on dit, toi bien. Donc on est vraiment en mode international sur le stream. Ouais, c'est la maladie, Suika, tu as contracté cette maladie aussi? Je l'ai même cherché sur mobile, hein, pour vous dire, donc... Non, j'ai failli... Ah, c'est bien, tu as résisté. Mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, ça peut popper à tout moment, là. Une envie, un moment où t'es là, t'es entre deux eaux, hop. Je sais pas ce que ça va donner, ça. Ouais, c'était la bonne strat. Heureusement, je suis pas loin de mon score, mais bon, je suis pas loin du score où je perds aussi, hein. Merci, merci Armo, bon repos à toi, et puis à très vite sur tes lives. Cœur sur toi aussi, hop, j'ai le même, hein. On traîne dans les mêmes endroits, hein. Hop, voilà. Ouais, on est pas mal. Ah oui, là on peut. Ah, j'hésite. Hein. Ah, je sais pas si j'ose. 1488. Ah, c'était tendu quand même. Ouais, c'est bon, ça redescend. La cerise, là, elle va être décisive. Hein. Allez, Kaki nous mettre dedans là. Parce que si je mets le raisin et que ça pousse pas là, ça devrait normalement. Ah, oh, oulalalala. Sinon, on la joue comme ça. Hein. Ouais. Ça passe. Ah, dommage. C'est dangereux là. Hein. Le salam affilié, c'est le nouveau truc d'Augustin ça. Aïe 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 aïe. Ouais, ça passe là. Allez, allez, on va laisser faire un peu la nature. Le kaki il t'énerve, ah ouais, ouais, moi aussi. Hein. Avec sa coupe en brosse et sa bouche en cul de poule là. J'osais pas le dire, mais puisque t'en parles. Il est même pas kaki le gars.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est là où tu voulais en venir. Aïe, 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 aïe. Ah non, là, c'est... Là, ça commence à craindre, hein. On peut peut-être s'en sortir comme ça. Voilà. Bah, c'est mort, voilà. Il se passe plus rien. La nana se tourne sur lui-même. Je sais pas si vous avez vu. Il fait sa petite life avec le kaki, là. Voilà, c'est le rouage parfait. On peut rien faire avec ça. Je fais quoi, moi, maintenant? Est-ce que vous pensez que j'ai une chance de m'en sortir? J'essaie d'appuyer sur un autre bouton, des fois que ça fasse quelque chose, mais... Voilà, tant pis. J'étais presque à mon best score, quand même. Hein. Dernière chance, les amis, dernière chance. Vous soyez tous derrière moi, là. Double pétanque. À ton best, c'est 3000. Merci à Maï, merci de me faire douter de moi-même. Ah bah c'est bien parce que du coup, ça me donne un objet. Nickel. Donc là maintenant, je ne vais vivre que pour ça, Maï. Bat ton 3000. Tu m'as refait mes vacances. D'ailleurs, ça aurait été cool de pouvoir se mettre un objet dans le jeu, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le noter sur un petit papier. Là. Oui, enfin, vu les courses en ligne, il y a d'autres monstres de fruits. Attends. Bah, vu les scores en ligne. Ah oui, oui. Bah oui, oui, bien sûr. Vu les scores en ligne. Déjà 3000, c'est un bon objet pour moi. Battre à maille. Tu me préviens si tu fais un meilleur score entre temps. Hein. Je recommande à tous les lurkers de siffloter. Ah oui, j'avais dit ça à Riley parce qu'il est arrivé en premier. Et j'ai commencé le stream en sifflotant. En mimant un sifflotement. Non, Gunther. Non. Pourquoi? Encore que c'est pas très compliqué, mais bon. Manette pro, hein, pour ceux qui se demandent. À l'envers. Donc voilà, je joue comme ça, à l'envers. Alors. Non, mais ça va, c'est pas... C'est jouable. Merci pour les points de chaîne, Gunther. Ah ouais, quand même, c'est un peu relou. Hein. Je vais essayer de jouer pas trop lentement pour faire le truc bien, quoi. Ah ben j'avoue que là, tu sifflotes en te délectant de ma souffrance. Tu pourrais presque boire mes larmes dans un petit verre de whisky, tu vois, sur un papier buvard.
Mais ça va, j'ai souffert plus que ça en manette à l'envers. On me l'a mis sur Bayonetta 3, on me l'a mis sur du shoot'em up. Sur du Mario, bien sûr. Il manque les mangues, hein, quand même. Il manque les mangues dans ce jeu. Bah, c'est comme d'hab, je m'habitue tellement à jouer à l'envers qu'après, quand je vais repasser à l'endroit, ça va être la merde. Ah, t'as du mal à siffler, Ray, ouais, j'imagine. Ça reviendra, ça reviendra. C'est l'hiver, hein. La mangue s'est cheatée sous toutes ses formes. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un problème avec la mangue, c'est qu'il y a... On dirait un cousin de la carotte, quand même, hein. Ça vous parle quand je dis ça ou pas? Ou ça le fait qu'à moi? Allez, 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 on pousse. Ah, donc là c'est pareil, ça va être stratégique. Imagine celui qui est dans les chiottes au boulot, il se met ah ouais, j'avoue, il joue discrète ça ce jeu là, puis d'un coup il se met à siffler. En même temps, il se fera griller que par quelqu'un qui connaît, donc. Ou alors t'as un deuxième gars qui siffle, tu sais, dans la porte d'à côté. Je vais aller me chercher un Doliprane à l'infirmerie, je pense. Bonne idée. Attention à la cerise démoniaque. Ah, j'hésite. Il y a l'histoire de la pomme quand même. Ouais, on va faire ça. Voilà. On va voir si les choses se font naturellement. Faut la mettre dans tes OST. Allez, 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 ça pousse, ouais. Comment on va faire ça? C'est pas le bon, c'est pas le meilleur mood, on va dire. Ouais, voilà. Ah ouais, voilà, tout se met en place, la strat. Depuis le début, 1240, les amis. Est-ce qu'il va avoir sa pastèque avant la fin du stream? Ah! Voilà. De repartir sur une bonne base. Ça glisse encore, on va laisser faire.
Voilà. Ah, je sais pas trop, peut-être comme ça. Hein. Ouais, la fraise, le kaki. Putain, j'ai appris plein de choses aujourd'hui là. J'ai tous les noms des fruits. Alors que avant de lancer le stream, j'appelais encore la pomme, la tomate dans ma tête. Je sais pas pourquoi. C'est tendu quand même. On approche des 1700, je commence à être en galère. Hein. La base. Allez, 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 voilà. 1770, on n'est pas loin du high score. Hey Gosse le Geek, comment ça va? On se fait une petite salade de fruits comme dit Scam. Allez, ça roule, ça roule, ça roule. T'as la roue des évolutions à droite. Ah oui, j'ai joué à ce jeu, mes enfants sont à fond. Ah oui. Donc de ce que je comprends de Ghost, de Gunther, tout ça, c'est plutôt un jeu pour les enfants. Bon, sauf Amaï, qui est l'exception, mais... La petite fraise, hop. Ouais, en plus, il était gratos sur Switch pendant une semaine, Ghost. Et ça finit aujourd'hui, je crois. Oh non, 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 j'ai pas assuré, là. Aïe, 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 aïe. 1800, je suis pas loin de mon high score. Oula. Oulala. Ah, le kaki qui nous met dedans à chaque fois. Et voilà, 1844. 13h26, j'aurais pas le temps de faire une autre run. J'étais toujours manette à l'envers, je repasse manette à l'endroit. Je vais essayer un truc. Je vais essayer un speedrun. Allez, 4 minutes. Est-ce qu'on peut perdre en 4 minutes ? Alors, je fais pas n'importe quoi, hein. C'est vraiment calculé, mais j'essaie de jouer très vite. Ne pas me poser énormément de questions, on va dire. C'est un jeu pour tout le monde, oui c'est vrai. C'est un jeu inclusif. Oh non, là j'ai fait une erreur stratégique là. On verra si on peut la rattraper. Ouais, c'est peut-être jouable. Excellent Gunther.
Tu influences même à la maison, c'est fou. Du coup, tu te rappelles pas de ton score, Gunther. Allez, 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 allez. La musique s'est arrêtée, c'est fou ça. Voilà, ça redémarre. Allez, allez, le raisin, voilà, le raisin, voilà, l'ananas. Wouhou, une pastèque. Ah, il n'y a toujours pas eu de pastèque. Ouais, toujours encore une, encore une, encore une, ouais, c'est ça. Alors, hop là, la petite fraise, la cerise qui va bien. Allez. L'orange, je pensais pas si c'est une orange, une mandarine. La cerise décisive, voilà. On enfonce le clou. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a fait, elle? Ah ouais, il y a eu un paquet de clones sur, sûrement sur Android et tout, non? J'imagine. Tout, 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 tout. Ouais. On est à 900 pour l'instant. Ah. Ouais, on va le tenter comme ça. La cerise, hop, voilà. Ouais, je pensais qu'elle ferait un meilleur job, la cerise. Voilà, on est bien. ...1162, on joue un peu plus rapide. Coucou Idéal, bienvenue. On fait une petite salade de fruits. Ah, je sais pas si ça passe là. Non, pourquoi? Ouais, c'est bon. De toute façon, on est sur la fin là. Là, à mon avis, c'est un peu mort le game. Voilà. Ah, c'est moche. 2520, tu viens de faire un mail comme ça en regardant le stream. Wow, merci pour le follow Idéal. Par contre, pardon, les streams le midi, c'est 12h30, 13h30. Et on est sur la fin du stream là. Mais n'hésite pas à revenir. Hein. Merci, merci pour le follow. Alors attends, parce qu'en plus, j'ai lancé le stream un peu à la hâte. Voilà, tu vas apparaître sur l'overlay quand même. Incessamment sous peu. Ouais, ici, c'est que de la Switch et un tout petit peu de PC, parce que je viens d'avoir un PC. Mais sinon, c'est full Switch. Toujours pas de pastèque. Ben on se retrouvera pour un autre stream Suika Game. De toute façon, vendredi, donc après-demain, c'est le stream de l'infini, les amis. Hein. 7h30 jusqu'à... Ok. Donc, on aura le temps de faire plein de petits jeux. Back to the title. Voilà, c'est très très simple. Mes scores sont très pourris, hein, vous pouvez le voir. Et je pense même que j'ai eu la chance du débutant sur le 1937. Ouais, donc le programme du stream, bah, c'était ce matin, c'était Dragon Quest Monster McDo. On a eu les trois monstres, enfin on a eu les deux monstres, on a vu le troisième. Là, on fait Suika Game, donc vendredi stream de l'infini, il y aura sûrement du Pokémon. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Sûrement du Dragon Quest Monster.
Et puis après, ce que vous voudrez, en fait, on en parlera, on en discutera. Il n'y aura pas de thème précis. Voilà, on peut se faire du shiny, on peut se faire, voilà. On peut se ressortir des jeux, des WarioWare, des trucs comme ça, du Mario Party en ligne, si vous voulez, du Karmazou. Ben voilà, voilà, voilà. Merci Scam pour le bon après-midi. Je vais regarder chez qui on part quand même. Faire un petit raid. Alors qui est en ligne? J'ai personne dans la host list, donc on va aller voir dans les gens que je suis. Et puis on va s'écouter le syndrome Kabuki, hein, comme d'hab. Ça va être cool. Ouais, vendredi, si vous êtes dispo, bah vous passez. De toute façon, sur les streams de l'infini, comme ça, les gens passent, s'en vont, reviennent. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça, Scam. Bah je sais pas trop. Je regarde, hein, mais pour l'instant, je suis pas très inspiré par les jeux qui sont proposés. Est-ce que vous avez une suggestion pour faire un petit raid? Est-ce que dans vos listes, vous avez quelqu'un chez qui on pourrait aller? Je peux pas lancer avant 15 minutes, je serais déjà en train de finir de bouffer et de lancer et de préparer la réunion de 14h. Sinon, juste tu coupes pas le stream et tu laisses la musique jusqu'à vendredi. Ok, tout va bien. Aurore Ch'ti sur Pokémon Violet. Allez, j'aime bien moi, les joueurs, joueuses de Pokémon. Alors, je prépare le raid à la mano. C'est le Kabuki. Bah, c'est vrai que maintenant que j'ai mon mini PC, je ne sais plus trop quoi en faire. Je pourrais faire des raids, des streams de l'infini qui tournent comme ça, avec des petites vidéos. Ça pourrait être sympa. Hein. C'est un concept. Il y en a qui le font. Alors, Aurore Ch'ti, je peux copier. Hein, tu l'as écrit correctement. Hein. Ici, tout se fait à la mano. Hein. Je tente le raid. Oui, c'est bon, ça a fonctionné. Bah, je vous fais des bisous, des checks. On va aller voir ce que nous propose Rélie de découvrir Aurore Ch'ti. Donc c'est Aurore, c'est une Ch'ti et elle joue à Pokémon Violet. Voilà, c'est tout ce qu'on peut redire pour l'instant. Allons découvrir, foutre le bordel bien sûr, hein, et puis donner de la force. Des bisous, des checks, du love. Et on se dit rendez-vous vendredi matin 7h30. Et puis vous passez quand vous voulez jusqu'au soir. Voilà. J'avais pas préparé le syndrome, mais maintenant il est plutôt accessible. Le syndrome avec le photoboot du Kabuki, bien sûr. Et ensuite on part chez Aurore Ch'ti. Bye bye. Et merci surtout. Merci d'avoir été là. La mâchoire est crispée. De m'avoir permis le regard fixe. Les gestes quand même de saccadés. Beaucoup parler sur les un simple jeu de clair, fruits. Le diagnostic sans appel. Il y a des choses à dire. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain. Chut, y a le la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noreo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabuki. Le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange.